Après avoir fait se tordre de rire à de nombreuses reprises les téléspectateurs pour leur humour, les Simpsons reviennent sur le devant de la scène pour une nouvelle prédiction insolite, comme ils nous ont si bien habitués à en faire. Découvrez dans cette vidéo la nouvelle prédiction pour l'avenir des États-Unis, made in les Simpsons. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. Allez, on commence. L'élection de l'inimitable Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016 a été un véritable coup de massue pour les démocrates, mais ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus. En effet, un épisode des Simpsons l'avait déjà prédit en l'an 2000, soit 16 ans avant que le milliardaire blondiné ne soit réellement élu à la tête des États-Unis. L'épisode en question, intitulé « Bart in the Future », est censé se dérouler en 2030, alors que Lisa Simpson est devenue la première femme hétérosexuelle présidente. Alors que son frère Bart lui rend visite à la Maison Blanche, Lisa lui explique que l'Amérique est endettée jusqu'au cou par le président sortant, Donald Trump. Ce qui n'était qu'une blague plus ou moins drôle en l'an 2000 s'est avéré être une prédiction 16 ans plus tard lorsque le vieux milliardaire de 74 ans accède à la direction du bureau ovale. En effet, une fois le résultat des suffrages annoncé au public et que toute l'Amérique se réveillait avec Donald Trump comme le 45e président des États-Unis, les fans de la série s'étaient empressés de mettre à jour cette incroyable prophétie. Une fois encore, les scénaristes et les showrunners des Simpsons avaient vu juste et avaient prédit avec exactitude ce qui allait se dérouler dans un futur lointain. Lorsque ces derniers furent interrogés sur le sujet, ils déclarèrent seulement qu'en l'an 2000, la vision d'une Amérique devenant folle et où tout avait tourné aussi mal que possible ne pouvait si bien être illustrée qu'en mettant Trump à la tête du pays. D'ailleurs, dans l'épisode, son mandat n'a été qu'une grande catastrophe pour le pays tout entier qui a fini totalement ruiné. Pour les scénaristes de la série, Donald Trump était donc un moyen de faire savoir que les choses avaient vraiment tourné au vinaigre en Amérique, suite à l'élection de Trump à la présidence. À l'époque, cette élection avait en effet grandement amusé les spectateurs qui voyaient une Amérique gouvernée par Trump comme une grosse blague hilarante. Mais personne ne savait que cela finirait réellement par se produire dans la vraie vie et que l'incorrigible milliardaire arrogant allait être élu aux dépens d'Hillary Clinton, qui était pourtant en tenue favorite dans une course aux élections de 2016. On pourrait encore aller plus loin dans ce raisonnement en soulignant le fait que dans l'épisode, le président sortant laisse son pays totalement exsangue, avec une dette énorme et de grands problèmes financiers dus au fait de son incompétence à gouverner. L'état actuel des États-Unis d'Amérique n'est certes pas aussi catastrophique que dans la série, mais il ne faut pas oublier que le pays est aujourd'hui à la limite d'être scindé en deux, avec en plus l'éclosion du mouvement Black Lives Matter. Les différents mouvements de protestation et la répression policière qui s'ensuit, sans oublier la prolifération des armes à feu dans le pays, font même craindre le risque imminent d'une guerre civile. Et beaucoup d'analystes politiques sont d'accord aujourd'hui pour dire que les ingrédients d'une telle guerre sont aujourd'hui réunis et qu'il ne faudrait donc plus qu'une simple étincelle pour mettre le feu aux poudres. La série la plus déjantée d'Amérique aurait donc ainsi non seulement prédit l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, mais a aussi prophétisé que son mandat ne serait ni plus ou moins qu'un grand fiasco et que rien de notable ne sera finalement fait durant ces 4 années de gouvernance. Mais il aura fallu attendre 2020 pour avoir un autre aperçu du stupéfiant pouvoir divinatoire de la série déjantée. Car entre la pandémie de la Covid-19 et la bataille pour la présidence des États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden, la série Les Simpsons s'est révélée être un véritable Nostradamus des temps modernes, qui, telle une boule de cristal, révèle les événements à venir dans le futur. En effet, dès les premières apparitions du coronavirus dans la ville de Wuhan en Chine, les fans de la série avaient fait sortir un vieil épisode du placard qui prédisait qu'une épidémie de virus asiatique allait s'abattre sur les États-Unis. L'épisode en question datait de 1993 et on pouvait effectivement y voir une scène où Homer Simpson allait être infecté par un virus similaire à la grippe en déballant un colis en provenance d'Asie. Peu à peu, c'est toute la ville de Springfield qui est contaminée par ce qui est clairement représenté comme une épidémie virale venue d'Asie. Mais comme à l'époque le coronavirus était en grande partie encore cantonné en Chine et qu'il n'y avait que très peu de cas suspectés dans d'autres pays, on ne prêtera que peu d'attention à cette prédiction. Pourtant, lorsque quelques mois plus tard l'épidémie grandit et devient une pandémie, atteignant de plein fouet l'Amérique du Nord, il devint évident pour beaucoup que le pouvoir divinatoire des Simpsons s'était encore manifesté. En effet, en l'espace de quelques mois seulement, les États-Unis devinrent le pays le plus touché par la pandémie du Covid-19, dénombrant à l'heure actuelle plus de 12 millions de personnes malades et presque 256 000 morts. Ainsi, personne n'avait pu prédire que le coronavirus allait atteindre la lointaine Amérique et encore moins s'abattre sur elle avec un bilan aussi lourd. Sauf bien évidemment les Simpsons, si l'on en croit donc l'interprétation de cette scène tirée d'un épisode datant de presque 30 ans. Pour les partisans de la théorie des prédictions simpsoniennes, il ne fait aucun doute que la série a non seulement auguré de l'arrivée de la pandémie sur le sol américain, mais aussi qu'elle allait se propager comme une traînée de poudre dans les villes américaines, exactement comme à Springfield. L'autre grande prophétie des Simpsons pour l'année 2020 concerne bien évidemment la course à la présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden.
Car si les scénaristes du show télévisé avaient prédit son élection à la tête du pays il y a déjà 20 ans, aujourd'hui, ces mêmes scénaristes prédisent l'enfer sur Terre pour la fin de son mandat présidentiel. En effet, dans l'épisode Trials of Horror 2021, initialement diffusé le 18 octobre 2020 au Canada et le 1er novembre 2020 aux États-Unis, Matt Groening et son équipe nous peignent un bien sombre tableau. L'épisode en question commence avec le jour des élections à Springfield et les habitants de la ville allant voter à la Springfield Elementary School. Marge Simpson appelle son mari pour lui rappeler d'aller voter, alors que ce dernier est tranquillement étendu sur son hamac. Homer va alors se diriger vers les cabines de vote afin de remplir son devoir de citoyen et hésitant sur son choix de vote. Sa fille Lisa va faire son apparition pour l'aider à se décider. Lisa va alors énumérer toutes les bévues et les scandales qui se sont déroulés durant la période de présidence de Donald Trump, offrant aux spectateurs un florilège des pires perles du président sortant. En effet, à mesure que Lisa parlait à son père, les actions les plus stupides du milliardaire s'affichaient à l'écran, en une suite de phrases percutantes et très drôles. Tout y passe ou presque, comme le fait que Trump ait fait retirer les États-Unis de l'accord international sur le climat, ou qu'il ait insulté le peuple mexicain à plusieurs reprises, ou même qu'il se soit moqué d'un journaliste handicapé. Homer est clairement amusé au départ par les nombreuses incartades de Trump, avant de finir complètement horrifié par tant d'insouciance et d'incompétence, se décidant enfin à voter pour le candidat démocrate Joe Biden. On retrouvera Homer dans la scène suivante profondément endormi, se faisant réveiller par Marge. Et l'on comprend donc que ce dernier n'avait fait que rêver, et n'était donc pas allé voter. C'est donc ainsi qu'on retrouve Homer quelques semaines plus tard, le 20 janvier 2021, prostré sur le toit de sa maison, revêtant une armure de fortune et armé d'un fusil, tandis que derrière lui, la ville de Springfield est littéralement en train de brûler. On peut voir en effet un décor apocalyptique avec des maisons en flammes et des robots géants de la police patrouillant et maltraitant les citoyens. La scène se termine sur la vision des quatre cavaliers de l'apocalypse apparaissant au-dessus de la ville, annonçant la pestilence, la famine et la guerre. Si cette vision affreuse de l'avenir de Springfield n'est qu'une blague de la part des scénaristes, elle ne peut signifier qu'une seule chose aux yeux des aficionados de la théorie des prévisions simpsoniennes. Selon eux, en effet, ceci n'est qu'un clin d'œil de ce qui se passera réellement en 2021, à savoir que les villes américaines seront totalement et invariablement plongées dans le chaos et l'anarchie. Ce triste et bien funeste présage serait, selon ces mêmes théoriciens, ce qui attendrait l'Amérique le jour même de l'inauguration du président des États-Unis. Car la date du 20 janvier, qui apparaît dans l'épisode en question, est hautement symbolique, puisque c'est le jour de la cérémonie qui marque le début d'un nouveau mandat de 4 ans. C'est donc durant ce jour-là que le nouveau président des États-Unis prêtera serment et prendra officiellement les rênes du pays. Alors si l'on en croit les théoriciens du complot et ceux qui affirment que les Simpsons prédisent l'avenir, le 20 janvier prochain risque bien de se transformer en guerre civile au lieu d'être un jour de célébration pour le peuple américain. Les nombreuses références apocalyptiques dans l'épisode ne laissent d'ailleurs pas l'ombre d'un doute sur le sort misérable qui attendrait l'Amérique, et peut-être aussi le reste du monde, pour le début de l'année prochaine. Certains fans ayant de bonnes oreilles ont même pu discerner le son de la trompette de l'apocalypse, ce qui ne présage qu'une chose, la fin du monde tel que nous le connaissons. Et vu les nombreuses prédictions des Simpsons qui ont fini par se réaliser, on ne peut qu'espérer que cette fois les scénaristes se soient trompés. Mais l'espoir finalement est bien mince, surtout lorsque l'on sait que la série animée avait prédit avec une exactitude déconcertante l'élection de Donald Trump en 2016. Mais ce n'est pas tout, car en 2012 aussi sortait un épisode à la veille des élections présidentielles qui avait opposé le démocrate Barack Obama à son rival républicain et ex-gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney. Dans une des scènes de cet épisode, on peut voir le mania de la centrale nucléaire de Springfield, le tortueux et sadique Monsieur Burns, ainsi que son fidèle bras droit, Smithers, en train de conspirer pour tenter de faire gagner Romney. Alors que les deux compères discutent sur leur plan d'action, une carte électorale du pays est visible en arrière-plan, censée représenter les différents États ayant voté républicain ou démocrate, avec le rouge pour les premiers et le bleu pour les seconds. Ce qui a frappé immédiatement les fans les plus perspicaces de la série, c'est que curieusement, cette carte électorale était presque identique à celle de 2020. En effet, la disposition des couleurs des États ressemble énormément à la configuration de la carte électorale de 2020, opposant Joe Biden au président sortant Donald Trump. Cette incroyable coïncidence n'a pas manqué, bien sûr, de susciter tout un tas de réactions de la part des internautes fans de la série. Selon eux, ce n'est ni plus ni moins qu'une énième preuve que leur show préféré prédit l'avenir, puisque cette carte électorale dessinée en 2012 ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de 2020. D'ailleurs, pour certains, les Simpsons auraient même prédit le deuxième mandat de Barack Obama lors de cet épisode. En effet, le fait même que son rival Mitt Romney soit tourné en dérision et soit associé aux intrigues du vil Monsieur Burns est un subtil clin d'œil de la part des scénaristes pour dire qu'il ne sera jamais élu président. Dans la scène en question, Monsieur Burns se faisait répéter par son assistant tous les scandales liés à l'ex-gouverneur du Massachusetts, dont ses comptes bancaires en Suisse et ses déclarations d'impôts frauduleuses. Effectivement, quelques semaines plus tard, l'Amérique votait pour une prolongation du mandat d'Obama pour 4 années supplémentaires et tout le monde finit par oublier le pauvre Romney. Alors, est-ce que la dernière prophétie des Simpsons va réellement se réaliser? Et serait-ce vraiment la fin du monde?
On pourrait être tenté de le croire finalement, puisqu'ils nous ont démontré au fil du temps qu'ils possédaient un véritable talent divinatoire extrêmement puissant. Ou peut-être aussi qu'il ne s'agirait finalement que de simples coïncidences, comme le disent les scénaristes, et les sceptiques avec eux. Personne ne peut vraiment répondre à cette question, sauf le temps bien sûr. Et alors que la date fatidique du 20 janvier approche et avec elle la supposée fin du monde telle que nous le connaissons, on ne peut qu'espérer qu'il se soit trompé pour cette fois. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.